Le grand débat national a été officiellement lancé mardi 15 janvier, par le président de la République, à Grand-Bourgtheroude, dans l'Eure, où il rencontrait les maires normands. Henri Lemoigne, maire de Créances, qui s'est adressé au chef de l'État, revient sur les thèmes qui lui semblent prioritaires. Maintien et organisation des services publics, on a fait le constat d'un malaise dans les territoires ruraux, lâche Henri Lemoigne. Celui du manque de services publics, au fur et à mesure de leur suppression. Il y a eu celle de la trésorerie, pour la commune de Perrier, illustre le président de la communauté de communes Côte-Ouest Centre-Manche. Selon lui, cela ne concorde pas avec l'enjeu démographique. On est face à une population qui vieillit et a davantage de difficultés, notamment en termes de mobilité. Il faut donc un maintien et une organisation des services publics, pour ne pas qu'on ait l'impression, dans ces territoires ruraux, d'être traité secondairement. Par plus d'infos sur ouest-france.fr. Pour aller plus loin, à lire aussi sur ouest-france.fr.